Ouais. Mamadi Jordan, désolation de smog. Oui, Smog, c'est un dragon représenté dans le film qui n'avait qu'une ambition, qui ne convoitait que le trône. Il a toujours convoité le trône des nains de Erebor. Smog va venir dans le royaume de Erebor pendant qu'il vivait en paix. Malgré que ça n'allait pas, ça allait au mieux. Ça brillait au royaume d'Erebor. Smog va descendre dans le royaume d'Erebor et va faire sa désolation. Jordan arrive dans notre paradis, avec tous les beaux discours qu'il nous a crachés au visage, voici aujourd'hui le résultat. Et comme pour dire, les personnes qui pensent qu'ils sont plus bénis que nous autres Guinéens viennent nous cracher en face que cela ressemble à du sabotage. Non. Peuple de Guinée, trop, c'est trop. On a accepté le coup d'État. On a dansé pour le coup d'État. On a applaudi. On a cru à l'espoir. Et voici ce que l'espoir nous donne. Notre pays en feu. Notre pays en feu. Notre pays en feu. Qui peut souhaiter ça dans son pays? Qui peut aimer ça dans son pays? Quelle que soit la colère que tu as dans ton pays, qui peut souhaiter ça dans son pays? Qui? Qui? Aujourd'hui, tout Conakry est en train de manifester. C'est en train de brûler pneus partout. Et on voit une information qui circule sur les réseaux, dont je n'ai pas vérifié, mais on dit que le central thermique, je dis bien le central thermique de Kisoso a pris feu. J'ai fait la capture. Sur la page où j'ai fait la capture, ce n'est pas une page qui raconte des conneries. C'est là. Vous connaissez tous cette page-là. Actualité sur la Guinée. Ça dit, Conakry, la centrale thermique de Kisoso est en feu. Pourquoi, Jordan? Pourquoi tout ça? Pourquoi, Amara? Pourquoi, Giba? Pourquoi? Vous venez foutre le bordel dans notre pays. Parce que, à l'origine de tous ces problèmes-là, de ces délestages, de toutes ces crises-là, vous ne pensez pas, vous ne réfléchissez pas qu'en face de vous, vous avez une population. Ce n'est pas des arbres, ce sont des êtres humains. Quand on aspire à diriger un État, quand on aspire à diriger un peuple, l'on a dans sa conscience que l'on doit nourrir cette population-là. On doit s'occuper de cette population-là. On doit calculer le mal de cette population-là. C'est comme dans ta propre famille. Quand on décide de devenir président, d'abord, il faut savoir diriger comment on dirige une famille. T'es le père de famille. Tu dois assurer le besoin de chaque membre de ta famille. T'occuper de ta femme, tes enfants, qui ne manquent de rien. Avoir de la pitié pour eux. Mais,
vous arrivez dans notre état. Toi, Amara Siriki, toi qui as craché au visage du jeune qui t'a demandé, patron Pemunta Yesaremuna, tu as osé lui dire devant les caméras que Muntan se sera muna munira mun fara ya landene. Ok, wo fara ya landene. Wo la Guinée likianere, ago anaminde. Wo kura naran li la Guinée. Dumbuya, Jordan Tosa Alpha Tongo Palais, l'électricité qu'il a trouvé là, na kura ngo, où est l'électricité là? Wo fara ya landene. Ouma yalan, wa kana, ouma nge, ouma kana. Le grand problème aujourd'hui, pourquoi? Le gars a fait le coup d'état pour sauver sa peau à la base et a dit que peut-être que le hasard, ça peut marcher. On ne peut pas diriger un état par hasard. Ce n'est pas un hasard qui dirige un état. Un état de 13 millions de têtes, 15, 14 aujourd'hui, sans compter parce qu'on n'est toujours pas recensé. Un état de 14 à 15 millions aujourd'hui. Vous pensez que le hasard peut diriger ça? Vous pensez qu'on peut se lever du jour au lendemain matin pour dire que oui, je peux être président, je peux diriger ce poste, je peux faire cela? Et puis vous venez nous cracher au visage que c'est patati patata, bande de gouvernement de merde. Nomination de merde. Vous prenez vos copines, vos maîtresses, parce que les femmes qui sont parmi les nouveaux, celles qui n'ont pas bougé là, ceux qui sont mariés, ce sont des maîtresses de Siriki, de leur clan. Elles ne peuvent pas bouger. Elles connaissent trop de secrets. Elles ne vont pas bouger. Il faut faire la permutation, changer les coins. Alors, les gars arrivent dans notre pays, affamés d'argent, tous des pauvres, animés de vengeance et de haine. La haine, la vengeance dans le cœur de Amara, au sein du régime CNDD de Dadis, n'a jamais disparu dans le cœur de Amara. N'a jamais disparu dans le cœur de Amara. Fais Fadio Retongo. N'a jamais, jamais perdu dans le cœur de Amara. C'est pourquoi on a vraiment... Jamais disparu dans le cœur de Amara. Ils arrivent pauvres. Ils n'ont rien. Avant ça, celui qui se fait appeler co-président de la transition, chef suprême des armées, chef de l'État, il ne veut même pas le titre de président de transition. Passait de bureau en bureau, quémandé les anciens cadres dignitaires qu'il a aujourd'hui mis en prison. Quelqu'un qui n'a rien. Pourquoi la Guinée se retrouve dans cette merdier-là? En gros, Jordan, c'est l'alpha. Jordan, c'est l'oméga. Tout le clan autour de lui, a commencé par Mori Kondé. Pourquoi Mori Kondé est dans le système? Je vous ai expliqué hier. Parce que c'est le bras, les oreilles, les yeux, les financements de Jordan en matière de tout. C'est lui qui est chargé de détourner, de voler, de faire sortir tout ce qui concerne Mamadi Jordan. L'argent retrouvé chez Mori Kondé n'appartenait pas à Mori Kondé, c'était l'argent de Jordan. Alors, si celui qui est appelé à être le grand-père de famille a donné exemple au premier fils de cette grande famille-là, pour dire que c'est l'intérêt de toute la famille qui compte, pas l'intérêt de moi, le père de famille, pas l'intérêt de vous, les aînés, mais de l'intérêt de toute la Guinée, qui est cette grande famille-là. Mais si l'alpha, l'oméga, pille le pays, dépouille le pays, et par intermédiaire, ses enfants, les premiers qui sont à côté, qu'est-ce qu'ils devraient faire, eux? Vont-ils avoir la même pitié? Non, ils n'auront aucune pitié. Eux aussi vont créer leur robinet, différents robinets, différents robinets. Et ça, le pays est parti dans le chaos comme ça. Amara a son robinet.
Mori Kondé a son robinet, Guy Badiakité a son robinet, Bala Samoura a son robinet, Idi Amin a son robinet. Tous les membres du CNRD ont leur robinet. Maintenant, cette grande famille, on s'en fout de vous. Un an, continuez à piller. 2 ans, continuez à piller. Et 2 ans et demi, c'est le chaos total. Où est l'argent? Chacun est parti mettre sur ce compte ses différents comptes. Chacun est parti acheter des maisons ailleurs. Chacun est parti mettre ses familles à l'abri. Les enfants de Jordan partent en vacances avec les enfants de l'Indien. Jamais vous n'aurez le courant. Le sort que notre pays a aujourd'hui, on ne peut que se plaindre qu'à nous, population, car nous ne méritons que ce que nous avons toujours, j'ai dit bien, souri, applaudi, adulé, aimé dans le mensonge. Alors pour ça, le pays plongé dans la désolation. Et cette désolation, vous n'allez pas en sortir de sitôt. Jamais. Il y a eu des nouveaux. Dans le nouveau faux gouvernement, qui est plutôt un remaniement d'intérêt général. Parce que le CNRD, c'est un clan. Et ce clan s'est donné comme pour mission de piller, de se servir. Et dans leur action là, dès qu'ils ont un petit doute pour toi, Paul, Pierre, Nien, patati, patata, ils vont te débarquer. Amara a dit qu'ils sont venus pour arranger. Venus pour arranger ce que vous êtes venus trouver. Le courant que Alpha avait à Conakry, où est le courant là? On doit activer le mouvement, Mamadi doit partir à l'instant. On doit activer le mouvement. Mamadi doit partir. Activer le mouvement. Mamadi doit partir. Tout ce que notre pays est en train d'endurer. Écoutez bien ce jeune, ceux qui sont en train de parler. C'est Taouya ça. C'est Taouya. C'est Taouya ça. Taouya. Regardez, c'est à Taouya ça. Le pays est en train de brûler. Pendant que des bandes de, c'est-à-dire de cartels de merde, sont assis au palais. Bande de cartels de merde sont assis au palais. Ils s'en foutent. Ils sont en train de faire du n'importe quoi. Comme si ce pays-là les appartient. Vous êtes pitoyables. Vous êtes misérables. Tout ce que vous avez pris dans ce pays-là, ça ne vous appartient pas. Vous allez rendre compte de tout ça. Tous vos marmailles de faux trucs que vous faites vis-à-vis de cette population-là, vous allez en récolter. Car ce pays n'appartient pas à un petit groupe d'haineux, animé de haine et de vengeance. Ça, vous pouvez en être sûr et certain. On doit activer, je dis bien, le mouvement Mamadi doit partir. Parce que depuis que notre Guinée est Guinée, depuis que Conakry est Conakry, depuis tant de Sékou Touré, ce que le Guinée est en train de vivre aujourd'hui, on n'a jamais vécu ça. Jamais de la vie vécu ça. Vous venez dans notre pays, vous tuez des gens, vous faites coup d'état, vous massacrez plus de 186 personnes. Malgré tout ça, la population croit en vous. La population sort, vous soutient, danse pour vous. Et cette même population qui danse pour vous, hein, vous n'avez pas eu pitié, vous n'avez pas eu le remords, ni même un tout petit peu de pitié pour dire que, ah, on va faire le minimum. Même pas dire le maximum, le minimum de ne pas déranger le courant, de ne pas déranger les denrées de première nécessité. Le sac de riz, le prix a doublé. Je vous avais prévenu. Sac de sucre, le prix a doublé. Sac d'oignon, le prix a doublé. Sac d'huile, le prix, bidon d'huile, le prix a doublé. Qui peut s'asseoir sans réagir? Qui? Qui peut s'asseoir sans réagir? Qui? Vous, chez vous, vous avez des stocks
de sacs de riz. Chez vous, vous avez des bidons d'huile. Chez vous, vous avez des sacs de sucre. Vos familles ne meurent pas de faim. Vos familles mangent, ils ne terminent même pas. Ils n'arrivent même pas à finir. Tout ce qu'ils ont comme manger là-bas, ils jettent vos familles. Ils jettent le manger, ils jettent. Regardez ces millions de familles aujourd'hui qui sont en train de mourir de faim. Qui n'arrivent pas à faire le repas. Même ce mois saint de Ramadan qui n'arrive pas à faire le repas. Après, c'est pour aller dire à un jeune, parce que caméra tirera, comme on t'en fera à l'andéné, au fera à l'andéné, ou on a rendu l'ina, il n'a rien remédé. Ou on a rendu l'ina, ou on a rien remédé. Ou on a rien remédé. Le courant que Alpha avait à Conakry, où vous avez envoyé ce courant-là? Où vous avez envoyé ce courant-là? Mais on ne peut pas croire à ça. On ne peut pas croire. C'est-à-dire, les gars viennent, ils s'en foutent de nous. Ils s'en foutent de la population. Sinon, le courant aujourd'hui dans un état, c'est le minimum. Le minimum. Même Goïta. Goïta, hein, qui a dit merde à la France. Qui est aujourd'hui combattu. Avec toutes les difficultés qu'il a autour de lui. Bamako connaît quelques délestages. Mais tout Bamako ne connaît pas le délestage. Le gars fait le maximum pour le maximum pour que la population soit un peu à l'aise. Goïta, qui a dit merde à la France, que la France cherche à tout prix pour faire tout ce qu'il faut pour l'anéantir, le tuer. Regardez notre pays, qu'on a créé aujourd'hui. Et alors, vous n'aidez pas une population. Vous ne faites pas le minimum pour une population. La seule chose qui leur reste, vous venez les prendre ça. Parce que, en ce mois saint de Ramadan, beaucoup gagnent dans faisant leur marché, leur business. Les restaurateurs qui achètent des poissons, qui achètent des choses à conserver dans les congélateurs aujourd'hui ont perdu leurs marchandises. Il n'y a pas de courant. Les produits de boissons qui doivent aller dans les réfrigérateurs aujourd'hui sont devenus pourris. Ont tous fermenté par quoi? Par faute de quoi? Manque de courant. Pendant que vous dormez, vous êtes en train de vous la couler à flot, vous dites que oui, hein, voilà, on va nommer un deuxième gouvernement pour aller jusqu'en 2025. Le péché, le karma de ce peuple va vous frapper. Vous me regardez tous, vous êtes tous sur ma page. Un à un. Notez bien ceci. Le karma de ce peuple va vous frapper. Parce que si on est un bon père de famille, si on aspire à aider son peuple, cette grande famille qui est la Guinée, vous devez avoir la moindre pitié, le minimum de pitié. Au lieu de prendre tous nos milliards, nos mines, de bouffer encore. Mamadi veut encore rester jusqu'au début de l'exploitation du Mont Simandou. Et l'argent va lui couler encore à flot. Tant que ça lui coule à flot, le gars ne va pas partir. Tant que ça va lui couler à flot, le gars ne va pas partir. Et voilà. C'est dommage. C'est triste qu'on dit aujourd'hui la désolation de Smog. Pourquoi? Qu'est-ce que ce peuple t'a fait? Vous êtes venus pensant que vous êtes les plus intelligents. Que vous êtes les plus malins, que vous êtes les plus, je dis bien, bénis de cette nation. Mais vous n'en êtes pas. On peut tromper une partie du peuple quelque temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Et ça, toute la Guinée en est témoin. Imaginez ce Conakry qui est sorti aujourd'hui pour ce problème de délestage. Pensez à l'intérieur de la Guinée. Pensez dans les villages, les fanfons. Les gens sont en train de souffrir là-bas à des millions de fois plus que Conakry. Si Conakry, la capitale, souffre, si Conakry, la capitale, les gens ont du mal à manger aujourd'hui, les gens ont du mal à s'en sortir aujourd'hui, qu'en est-il des gens qui sont au village? C'est ça qu'il faut se mettre en tête. Il faut réfléchir par rapport à ça. Quand on est un grand père de famille, on ne calcule pas seulement soi. Sinon, tout le monde, tous les pères de famille peuvent prendre de l'argent, quitter, abandonner leur enfant.
On n'abandonne pas ses enfants, Jordan. Malgré que tu es devenu père de famille immérité, par hasard. Par hasard, malgré ça, le peuple t'a accepté. En t'acceptant, dans cette souffrance-là, de croire en l'espoir en toi, tu t'es permis d'abandonner cette grande famille-là. Avec tes crocodiles autour de toi. La fin, c'est toi seul qui endosseras les responsabilités. Car le peuple n'est pas dupe. Et l'histoire retiendra toujours que tu es et as été le pire des cauchemars que la Guinée n'ait jamais connu. Peuple de Guinée, c'est une tristesse, c'est une désolation. La seule chose qu'on peut se dire ici, nous sommes au mois saint béni de Ramadan, de continuer à prier qu'Allah le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, Allah Jawajal, Al-Khayyou Khayyoum, ni le sommeil, ni le somnol les ne saisissent. Ce n'est pas du hasard, ce n'est pas un jeu. Qu'il nous vienne en aide, qu'il regarde la souffrance de sa grande famille musulmane de Guinée, de sa grande famille chrétienne de Guinée, de sa grande famille, de ce peuple, quel que soit l'être humain, nous venons tous de lui, le divin.